Il est le nouveau roi de Cadoudal. Dimanche à Plumelec, Simon Millon a remporté la plus belle victoire de sa carrière sur Manche Atlantique. Même lui ne s'y attendait pas, on l'écoute dans la Minute Ravito. C'est indescriptible. J'étais pas trop confiant sur mes 2-3 derniers entraînements, j'avais pas les meilleures sensations, mais des fois ça veut rien dire, et même en début de course j'étais pas terrible. Plus on avançait dans la course et plus on en approchait du circuit, plus je m'en rendais compte du monde sur le circuit, et la côte de Cadoudal, c'est juste dingue. L'arrivée j'ai pu profiter un petit peu, et là je reçois des encouragements, des félicitations de partout, des coupes en veux-tu en voilà, donc je commence à réaliser un petit peu. J'avais vu à la cloche que j'étais pas mal du tout même, je dirais. J'ai vu que Jean-Louis était allé, j'avais réussi à revenir sur la ligne. Je savais qu'il fallait pas que je laisse trop d'avance à Jean-Louis. Il y est allé, il a fait l'effort dans la bosse et je l'ai contré au moment opportun. Je voyais même pas le gars de Dinan devant avec toute la foule. Je l'ai vu dans le virage et je suis arrivé vraiment en survitesse. J'ai tout donné jusqu'à la ligne. J'avais mis un petit coup d'œil, j'avais vu que Lucas Groly était pas dans la roue, donc à bloc jusqu'à la ligne et j'ai pu savourer les 50 derniers mètres. Et c'est dingue.